Colin. Bonjour Alice. J'aurais jamais imaginé que... Tu n'as pas changé. Mais comment as-tu su? J'ai cru que c'était toi qui l'avais envoyé. Non, je n'aurais pas osé. Je m'apprêtais à aller au cimetière. J'y vais souvent depuis quelques années. Et ta mère les adorait. Allô, mon cœur. Ah oui, je suis bien arrivé. J'ai oublié que le trajet était aussi long, mais... Tout s'est bien passé. Non, non, c'est la voisine, elle m'a ouvert la porte. Je sais toujours pas qui m'a envoyé la lettre. Je crois pas que ce soit important, de toute façon. Écoute, je dois te laisser, ok? Je te rappellerai plus tard. Je t'aime. Je suis très contente pour Adrien et toi. Tu sais, ta mère, elle l'appréciait beaucoup. Mais désormais, lui, il aurait été content pour vous. Ça, je ne sais pas. Bon, bah écoute, je repasserai demain. Tu as tout ce qu'il te faut? Mon cher fils, si tu lis cette lettre, c'est que tu es quand même venu. Je pense que le moment est arrivé pour moi de souffler la veilleuse. Bien que le temps ne pardonne pas tout, le plus beau cadeau que tu puisses me faire serait ta plume. S'il te plaît, écris mon éloge funèbre. Papa.
cherches quelqu'un ? Comment tu t'appelles ? Evan. Je voulais vous donner ça. C'est toi qui m'as envoyé la lettre. Il venait souvent voir ton père. Pourquoi faire ? Il était assez seul à la fin. Il ne pouvait plus sortir autant. Et puis il avait besoin de compagnie. Tu sais, Evan, il a dû sûrement s'attacher. Mon père faisait le même geste. Comment tu l'as connu ? Il venait souvent au parc. Avant qu'il tombe malade, je veux dire. Une fois, il m'a demandé si je voulais bien prendre son portrait. C'est lui qui te l'a demandé. Mmh. La semaine d'après, quand j'y suis retourné, j'ai compris qu'il lui restait plus beaucoup de temps. Il t'a dit sur quoi il travaillait ? Non, il était assez discret. J'ai toujours aimé celle-là. Tu l'as prise dans sa chambre ? Il écrivait ici tous les soirs. C'était dans ces moments-là que je le prenais en photo. Il n'a jamais eu le courage de me parler. Il évitait toujours le plus difficile. Et maintenant, tout ce qui me reste, c'est ça. Il t'a au moins laissé quelque chose. Qu'elle était à ma mère. C'est pour elle que je suis revenu.
pas pour lui. Et pas pour écrire son éloge. Il est à la maison funéraire proche de l'église.